Ce matin, notre invité, c'est Célassou. On a déjà eu le droit à You, son nouveau single, en live. On peut l'applaudir, tu vois, comme on a du monde. Oui, oui, oui. Célassou, évidemment. Justine, te parler, vous pouvez en parler à l'antenne, des réseaux sociaux, parce que c'est vrai que c'est important pour un artiste. Hein. Bah oui, parce que je suis Célassou sur Instagram. Je lui demandais si elle aimait bien les réseaux sociaux, si c'était elle qui tenait son compte Instagram. Et tu me disais que pendant le confinement, tu as fait pas mal de lives. Ça, c'était agréable. Oui, ça, c'est très agréable. Avec les gens et vraiment parler avec lui et de L'échange direct. L'échange direct avec les gens. Rencontrer les gens, c'était ça le mot. Rencontrer les gens, oui, c'était cool. Mais maintenant, l'Instagram, ok, c'est important, mais c'est pas vraiment personnel. Hein. Ah oui, bah oui, c'est pas la vraie vie, il faut le rappeler. Hein. Voilà. C'est Instagram, pas la vraie vie, les gens. Il y a cette EP qui est sortie avec 5 morceaux. Est-ce qu'il y aura un troisième album qui va arriver? Est-ce que tu es en train de travailler? Oui, je suis en train de travailler. Oui. C'est pas facile parce que c'est avec un producteur américain et avec le confinement, c'est plus facile quand il est là dans le studio. Et maintenant, c'est. Pour moi, c'est 9h matin jusqu'à 12h matin. Pour lui, c'est 12h à nuit jusqu'à 3h dans la nuit. C'était plus facile quand Prince venait t'aider à l'époque. Hein. Voilà. Ah, bah, où est Prince? Prince passait à la maison, où tu comprends? Prince arrivait, c'est Prince. Ah bah rentre, je t'en prie. Voilà, évidemment. Oui. Parce qu'elle a travaillé avec Prince précédemment, évidemment. Et qu'il l'admire, d'ailleurs. Et qu'il l'admirait, évidemment. Ouais. Et vous êtes beaucoup à nous avoir posé la question sur la page Facebook de l'émission. J'en profite pour te poser la question, Célassou. Je sais que c'est compliqué en ce moment, mais dans un futur proche, est-ce que le retour à la scène est dans ta tête? Oh. Pas vraiment, j'espère que ça va, mais je suis une personne qui dans le moment, j'habite dans le moment. Oui, tu vis le présent. Oui, ça. Donc, on va regarder. Mais pour moi, c'est facile parce que j'ai pas des shows dans le planning cette année. Donc, on verra pour moi, par la suite. Voilà. Donc, pour moi, c'est pas grand. T'as un show dans le planning, c'est maintenant. C'est l'heure de ton live. Voilà. Alone. Allez, je t'invite à rejoindre ta guitare. Yep. Et évidemment, ta place au cœur de notre studio live. Ça va être le moment d'écouter sans doute le plus grand succès de Célassou. C'est ce morceau que vous aviez découvert à l'époque sur RTL2. D'ailleurs, on avait fait une interview et un concert très très privé avec ce morceau Alone. Vous connaissez tous cette chanson. Évidemment. C'est obligatoire. 8h38, voici Célassou en live dans le double expresso RTL2. C'est Alone, Céla, c'est à toi. It's a darker road on the other side. Don't you see I'm alone without you? All the walls have started coming down. Can't you see I'm alone without you? Missing we used to be. I hope you remember me at night. Love has forsaken me. The day you abandoned me. Say you remember me this time. 'Cause I'm alone. I'm alone. I'm alone without you. Oh yeah. Black hole burning on the ground. Rescue me, I'm alone without you. It's a cattle call of certain emotions. It seems to me I'm alone without you. Missing we used to be. I hope you remember me at night. Love has forsaken me. The day you abandoned me. Say you remember me this time. 'Cause I'm alone. I'm alone.
without you, without you. C'est la Sou avec eux. Merci Céla d'être venue ce matin dans le double expresso RTL 2. Plein de bonnes choses pour la suite. On espère te recroiser pour ton troisième album très rapidement. Merci d'être venue ce matin.